Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Or, plus tard, il appela ce type de raisonnement le danger particulier, le mal endémique de l'athéisme dogmatique. Il s'agit de la supposition que les composantes de l'univers existent telles qu'elles et qu'elles devraient être acceptées sans réflexion ultérieure. Cela constituait son argument défensif contre toute question relative à l'origine absolue de ce qui existe. Dr. Flew fit remarquer ceci. Prenez par exemple des commentaires comme « On ne devrait pas demander une explication de l'origine du monde. Il existe et c'est tout ce qui compte. » Ou étant donné qu'on ne peut accepter une source de vie transcendante, on choisit de croire l'impossible, c'est-à-dire que la vie a surgi spontanément de la matière de façon aléatoire. Ou les lois de la physique sont des lois sans loi, issues du néant. Point final. A priori, ces arguments semblent rationnels et imprégnés d'une autorité particulière, parce qu'ils ont l'air pragmatiques. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'ils soient rationnels et que ce soient des arguments. Alors que l'ensemble des données probantes dans le domaine de la science et de la technologie convergent de plus en plus vers une explication plus théiste de l'univers, il affirme que ces explications athées standards sont en train de devenir désuètes et indéfendable. Ma désaffiliation de l'athéisme n'a pas été causée par un phénomène ou un argument nouveau, dit-il. Au cours des deux dernières décennies, mon schéma de pensée s'est transformé sous l'effet de mon évaluation constante des données probantes sur la nature. Lorsque je suis finalement arrivé à reconnaître l'existence de Dieu, ce n'était pas un changement de paradigme de ma part, parce que mon paradigme demeure, comme insiste le Socrate de Platon dans le dialogue de celui-ci intitulé « La République ». Il faut suivre l'argument, peu importe où il nous mène. Il avoua que l'ensemble des éléments de preuve des deux dernières décennies appuyait désormais l'existence d'un Dieu créateur, et il eut le courage, l'intégrité et l'humilité d'accepter cette conclusion, même si cela a pu le contrarier grandement. Il mentionna que les éléments de preuve traitant des lois de la nature indiquaient de plus en plus qu'un esprit supérieur agissait à l'échelle cosmique. Au cours des 100 dernières années, a-t-il écrit, les leaders scientifiques ainsi que certains des scientifiques les plus influents de l'ère moderne ont créé une vision philosophiquement irréfutable d'un univers rationnel issu d'un esprit divin. En l'occurrence, c'est dans cette perspective du monde que je trouve maintenant l'explication philosophique la plus logique pour une multitude de phénomènes sur lesquels se sont penchés scientifiquement et profanes. Trois domaines de questionnement scientifique revêtent une importance particulière pour moi. Le premier porte sur la question qui continue d'intriguer la plupart des penseurs scientifiques. Comment les lois de la nature ont-elles vu le jour ? L'un des aspects les plus énigmatiques des lois de la nature est le fait que ces forces invisibles agissent sur la matière et l'énergie, sans être toutefois matière et énergie. Pour exercer leur effet, elles ont dû être mises en place avant l'existence même de la matière et de l'énergie, et ce ne sont pas des objets tangibles. Il est illogique de croire que toutes ces lois complexes qui agissent à l'unisson sont apparus ensemble un bon moment avec la force adéquate, sans l'intervention de l'intellect responsable de leur organisation.
Ce qui est important, a fait remarquer Dr. Flew, ce n'est pas le simple fait qu'il existe des régularités dans la nature, mais bien que ces régularités sont mathématiquement précises, universelles et liées entre elles. Einstein les assimila à une incarnation de la raison. La question que nous devrions poser est la suivante. Comment la nature est-elle venue à être organisée de la sorte? C'est certainement la question que des scientifiques comme Newton, Einstein et Heisenberg ont posée et à laquelle ils ont répondu en disant que cela était attribuable à l'Esprit de Dieu. Cela n'est peut-être pas connu de tous, mais un certain nombre de cosmologues et de physiciens ont avoué que les lois ordonnées de l'univers impliquent quelque chose de plus grand et de plus grandiose que celui-ci. Dr. Flew cita un grand nombre de ces scientifiques, tels que le célèbre cosmologue Paul Davis, qui affirme que la science est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'univers est entièrement rationnel et logique. À tout point de vue, les athées affirment que les lois de la nature existent sans raison et que l'univers est en fin de compte absurde. En tant que scientifique, je trouve cela difficile à accepter. Il doit exister un motif rationnel, immuable à l'origine d'une nature logique et ordonnée. Dr. Flew conclut ceci. Les scientifiques qui convergent vers l'Esprit de Dieu n'avancent pas simplement une série d'arguments ou un processus de raisonnement si logistique. Au contraire, ils proposent une vision de la réalité qui émerge du cœur conceptuel de la science moderne et qui s'impose sur l'esprit rationnel. C'est une vision que je trouve personnellement convaincante et irréfutable. Comment la vie peut-elle être issue de la non-vie, c'est-à-dire du rien? Le deuxième élément de preuve sur lequel repose la croyance en Dieu du Dr. Flew a trait à l'immense différence qui existe entre la vie et la non-vie. Lorsque les médias de masse ont rapporté ma nouvelle perspective du monde, pour la première fois, a-t-il relaté, ils ont dit que j'avais affirmé que l'étude de l'ADN par les biologistes avait démontré l'intervention indéniable d'un être intelligent en raison de la complexité quasi incroyable de la disposition de l'ADN requise pour produire la vie. J'avais écrit précédemment qu'il y avait place pour un nouvel argument en faveur d'une conception qui expliquerait l'émergence de la vie à partir de la matière non vivante, surtout si la matière vivante originale possédait déjà la capacité de se reproduire génétiquement. J'ai maintenu qu'il n'existait aucune explication naturaliste satisfaisante pour un tel phénomène. Dr. Flew s'étant penché sur cette question, il conclut qu'il était tout à fait impossible que quelque chose de vivant en mesure de se reproduire puisse être produit de façon accidentelle par quelque chose de non vivant. L'auto-reproduction signifie que quelque chose a en soi la capacité de copier ses propres composantes et de transmettre ses caractéristiques et son mécanisme à de futures générations.